Oui, voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter, enfin, vous montrer comment on peut faire une protection pour une greffe, pour protéger le greffon pour les gelées tardives. Voilà. Donc, je vais vous faire voir comment je procède. Voilà. Pour cela, il vous faut du film de protection là. Il faut 20 cm par 1,50 m, 1,60 m. Un support pour se servir de d'appui pour bâtir la protection. Et d'un pistolet à colle. Voilà. Donc, allez, on va aller. Je vais vous faire voir ça, tout simplement. Voilà. Voilà, donc le. Je prends mon modèle. Ici, c'est une espèce de doseur. Hein. Ça peut être un tuyau de PVC, ça peut être autre chose. Voilà, je l'enroule sur mon modèle. C'est tout simple, hein? Avec un pistolet à colle. Voilà, j'applique un film de colle chaude. Voilà, j'en mets toute une bande. J'ai pris un morceau de fer froid. Pour activer un peu la démarche, voilà. Tant que ça durcisse, voilà, là ça doit avoir pris. Maintenant, je l'enroule. Je continue l'enroulement. Bon, ça s'est collé un peu sur le calendrier, mais c'est pas grave. C'est tout simple, hein. Voilà, je l'enroule. Bon, je fais 5-6 tours. Voilà. Peut tendre. Bon, chacun après adaptera sa méthode. Hein. Moi, je fais comme ça. Faut faire plusieurs tours pour que la protection du greffon soit efficace, quoi. Voilà. Bon, on arrive au bout, donc au bout, bien sûr, on va faire un autre film de colle pour l'arrêter. Voilà, on colle. Bon, faut pas hésiter à en mettre beaucoup de colle, hein. On en met aussi partout autour. Il faut attendre qu'elle sèche. Bon, le temps que ça sèche, faut attendre un peu, enfin que ça sèche, que la colle se solidifie. Alors pour le bout, eh bien, c'est tout simple. On appuie, attendre que la colle durcisse, hein, parce qu'on se chauffe les doigts sinon. Voilà, on appuie. La colle n'a pas pris encore. On appuie 4 fois. Voilà. N'hésite pas à mettre de la colle, bien sûr. Voilà. Bon, là, vous avez compris le principe, hein. Alors maintenant, je vais vous faire voir un produit fini. Voilà, j'en ai déjà fabriqué quelques-uns. Voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. Voilà, ça fait un petit film. Et alors, on va aller le mettre
allez voir, sur un greffon. J'ai greffé un petit cerisier là. Voilà, le petit cerisier, il est là. Voilà. Donc les greffons. Alors à côté, bien sûr, c'est pas le cerisier, c'est une protection pour que les oiseaux viennent se poser et viennent pas poser sur le greffon. Alors les greffons sont là. Sont là tous les deux. Alors ce que je fais le matin, je coiffe délicatement. Voilà, les greffons de ce chapeau. Alors, il est bien entendu que ça ne protégera pas l'arbre contre les gels persistants. Enfin, s'il gèle pendant tout un jour, ça bloque la montée de sève, évidemment, ça protégera pas l'arbre. Mais ça protégera les bourgeons neufs d'une gelée matinale. Parce que quand le greffon il commence à mettre les premiers bourgeons, il est fragile. Et puis s'il y a des gelées le matin un peu dures, ça peut l'altérer. Alors vous mettez ça le soir. La nuit, bon évidemment, il faut s'en occuper, quoi, je veux dire. Voilà. Donc là-bas, on va en voir un autre, un prunier que j'ai greffé aussi. Tiens, ça c'est mon chien. Veux jouer, bien sûr. Voilà, là j'ai greffé un prunier. Donc on voit que le bourgeon a bien démarré ici. On voit le bourgeon vert. Donc pour le protéger, bien pareil, délicatement je pose mon chapeau. Voilà. Et ça protégera le. Jusqu'au matin, ça protégera le bourgeon. Voilà. Bon, eh bien, je sais pas s'il faut dire impeccable. Faites pour le mieux chez vous, si vous pouvez faire la même chose. Il faut pas grand-chose, il faut un peu de film et puis un peu de colle. Voilà, c'est tout. Allez. Impeccable.